Salut les amis, bienvenue sur Guilty Runner, la petite chaîne qui monte en courant. On se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo. Alors je suis en congé et comme je suis en congé très loin de chez moi, j'en profite pour vous faire cette vidéo. On se trouve dans le Finistère, à côté de Brest. Et je vais partir du point de départ de ma résidence qui est Locmaria Plouzané et je vais filer jusqu'à Brest pour à peu près 20 km. Que de chemin côtier, donc normalement je vais longer le goulet de Brest, je vais passer au niveau du phare du Petit Minou et puis j'arriverai dans Brest avec son arsenal. Voilà, pas de difficulté sur ce parcours puisque c'est extrêmement plat, hein, il doit y avoir 150 mètres de dénivelé sur 20 km. Et comme j'ai beaucoup de chance, eh bien, j'ai un temps de curé comme vous pouvez le voir. Il fait une petite douzaine de degrés, ça va monter progressivement, il fait grand beau, un soleil magnifique. Donc je risque d'avoir le soleil un peu de face pour filmer, c'est un peu ce qui me chagrine, mais je vais essayer de me débrouiller et puis sinon je pense que ça va être vraiment sympa. Je vais respirer les embruns, l'air du large, et ça va être vivifiant. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça tout de suite, on y va. Je l'ai dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans c'est pas normal. À croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent. La pas la pluie ou je sais pas quoi. Moi je l'aime mieux sous un ciel qui chiale balayé par un vent norrois. Là-bas c'est la mer qui donne et qui reprend quand ça lui plaît. Ce putain de glas qui résonne quand elle a repris tout le monde le sait. Là-bas si c'est pas pour ta pomme on te le fera savoir vite fait. Après la langue, on vise la race. Que c'est pas trop gêner la France pour lui mettre les pieds dans la crasse. Des fois que l'idée d'indépendance ne laisserait pas vraiment de glace. Car ça n'aime pas les conquérants à la cupidité vénale. Fait qu'une duchesse encore enfant s'est fait mettre d'une manière royale. Sa liberté, c'est l'océan qui la nuit va rejoindre les étoiles. Et sa terre qui a fait serment d'être à jamais terna. Chaque jour est une guerre qui ne se lit que sur les visages. Ici on ne parle pas de sa misère et encore moins de son courage. Si j'en rajoute un peu tant pis, au début je t'ai bien dit que je l'aime. Dans tout ce merdier, ce putain de pays tient plus chaud que la gonzesse que je traîne. J'ai pas fini de l'ouvrir pour lui je filerai même des châtaignes. Au premier salaud qu'il détruit ou qui voudrait lui remettre des chaînes. C'est la vie, fallait que je t'en parle car j'ai l'envie de mentir.
branches had gone, and we gambled like siblings in paradise. I was your knight, holding you tight as a brother when I saw your crying eyes. Time went by, and we had to say goodbye. Staring up to the clouds above, children so little and sad, hoping the saints could help one day lead us together again. Time to meet you, say farewell, but I
Ah, les amis, on a fait 8 km. Je fais une petite pause ici au phare du Minou pour vous présenter derrière moi le goulet de Brest. Donc, le goulet de Brest, c'est cette espèce d'étroit canal avec au fond le port de Brest et la rade de Brest. Et puis le canal, le fameux goulet, et derrière l'océan Atlantique. Et en fait, ce goulet de Brest est un endroit stratégique puisque le port de Brest est un port militaire où on y retrouve notamment des sous-marins nucléaires. Qui portent l'arme atomique. Et pour sortir de leur base de l'île Longue, ils sont obligés de franchir le goulet de Brest pour ensuite partir dans l'Atlantique. Ce qui fait que c'est un endroit qui est extrêmement surveillé par la marine nationale. Parce qu'évidemment, en cas de guerre, l'ennemi aurait vite fait de venir bloquer le goulet et donc bloquer la sortie de nos navires et de nos sous-marins. Donc c'est un endroit très surveillé, même en temps de paix il est très surveillé parce qu'il y a toujours des navires espions qui cherchent à suivre nos sous-marins et qui traînent dans le coin. Voilà, donc le goulet, moi je vais continuer le long de la côte. Mon objectif étant d'arriver dans le centre-ville de Brest. Il me reste encore à peu près 12 km. Voilà. Et pour l'instant ben, je me régale, hein. Je peux vous dire que j'en prends plein les yeux. J'espère que vous aussi. Allez, on continue. Yeah.
d'un coup. Sehr schön, sehr schön. A tale that wasn't right.
we've reached the point of no return. The beast is hungry, it wants more. Donc un parcours très sympa, le sentier côtier c'est vraiment magnifique, en plus j'ai eu la chance d'avoir très beau temps, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas en Bretagne. Voilà, puis l'arrivée sur Brest avec la rade, le port militaire, c'est vraiment sympa, parcours sans difficulté, mais honnêtement je me suis vraiment régalé, c'était vraiment chouette. Dans une prochaine vidéo j'essaierai de faire depuis Locmaria-Plouzané en partant vers le Conquet de l'autre côté. Le sentier côtier, mais de l'autre côté, au départ de Locmaria. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle virée en Bretagne. Et puis, allez, Guilterunner.